prison belt of Orion, laid out on the desert floor. The oldest wonder built by giants, or somebody here 12,000 years before. Sunrise with a heart of stone, keeping watch for a colossal scorpion, will strike you down with a single blow of its tail. Marks out points of a compass with precision of an unerring degree. Shafts of lights and earthly bodies to the skies, reincarnated as a star in our own galaxy. Nous sommes sur le site de Barra da Janela da Barra da Antonio, qui est un site qui a été découvert il y a maintenant une petite vingtaine d'années pour des raisons paléontologiques, c'est-à-dire au fond du petit canyon, il y avait un dépôt de mégafaune extrêmement importante qui avait été fouillé. Et le site a été protégé parce que le long de cette paroi, il y a quelques peintures qui restent présentes. Des petites peintures, ça n'a rien à voir avec ce que l'on connaît ailleurs. Alors le site est en fin de compte, c'est une barre qui est un hémicarste. Je veux dire que c'est, on n'a qu'une partie du réseau karstique, l'autre partie a été complètement érodée, effondrée avec un phénomène de doline. Donc on a la moitié du karst qui crée un abri sous roche sur plus de 200 mètres de long. Donc on va avoir des implantations successives d'habitat. Alors nous, quand on a repris l'objectif de ce site, c'était effectivement de rechercher des sites pléistocènes. Pourquoi ? Parce que le sédiment indiquait une couverture pléistocène. Et donc on a fait deux implantations. Une première implantation, on est tombé directement sur une sépulture, une double sépulture, qu'on a fouillée. Et on a ouvert ce secteur-là. Et ce secteur-là, il s'est révélé extrêmement important puisqu'on a la transition Holocène moyen et jusqu'au Pléistocène, aux alentours de 40 000 ans, comme on va voir. Sur une épaisseur de stratigraphie assez courte, mais bon, qui est justement intéressante. L'équipe qui fouille ici, c'est une équipe qui est dirigée donc par professeur Glouchy, qui est un professeur de l'université de Rio Grande do Sul, avec des étudiants de Teresina et puis de Sao Paulo. Voilà, donc c'est une équipe brésilienne et puis aussi avec des Français qui sont aussi présent. Voilà. Ici, nous sommes en train de arriver à la sixième. Il manque très peu. Très peu. Oui, on commence à les voir ici. Ouais. C'est pas mal, c'est plus bas. C'est plus dur. Et c'est plus dur. Et ici, ils ont apparu de très belles pièces avec des meilleurs corps. Ça, on commence à être bon. Oh, et ça, il a commencé à apparaître, comme je dis, comme tout le monde, le calcaire, ouais. Mais aussi le fruit qu'on commence à le cueillir. Donc là, nous sommes devant la coupe de Barra da Antonio. Elle n'est pas très puissante, elle fait à peu près 1,20 m. Et là, pour l'instant, sur 1,20 m, on a 60 000 ans près d'histoire.
Les datations proviennent essentiellement de carbone 14 et d'OSL avec systématiquement un croisement des dates. Alors, on débute par la terre végétale qui est ici. Donc, on a de l'historique. On a fait des dates qui remontent à peu près à 200-300 ans après Jésus-Christ, donc ici. Après, on a une première couche qu'on voit assez bien qui est beige clair. Cette couche est assez intéressante parce qu'elle présente une industrie sur calcaire, et ce qui est très rare ici, c'est qu'on va avoir une production de lames qui vont être tronquées. Alors évidemment, ce n'est pas une production de beaucoup de lames, mais c'est des lames qui... On va utiliser des formes naturelles du calcaire, qui est un calcaire métamorphique, je précise, donc très très dur, et qui va permettre d'obtenir des lames et aussi des outils en calcaire. Cette couche a été daté par ces 14 vers 8-9 000 ans. Après, on passe directement à un autre niveau qui est beaucoup plus foncé et qui va être toute cette épaisseur-là. C'est un sédiment assez fin avec une couleur brune, quelques gravillons, mais pas de galets, hein, uniquement des petits gravillons. Et dans cette épaisseur-là, on a deux dates, une date en partie supérieure qui est à 9 000, et une date en partie inférieure qui est à 11 000 ans. Elles sont toutes calibrées BP, puisqu'on mélange l'OSL et le carbone 14, donc toutes les dates ont été remises en BP. Et cette partie-là est très intéressante, puisqu'on a donc l'industrie dite de Pléistocène-Holocène, c'est-à-dire la transition, et on a retrouvé effectivement une industrie qu'on peut considérer comme étant Itaparica, c'est le nom qu'on donne, c'est-à-dire avec des outils très particuliers qui ont une forme de l'esmasse, moins de limace. Scientifiquement, on va parler de pièces unifaciales. Donc ça, c'est très caractéristique et on les a retrouvés dans ce niveau-là. Puis, et c'est la première fois dans cette zone de calcaire qu'on a retrouvé cette couche-là. Puis après, en dessous ici, on peut le voir, bien là, à ce niveau-là, on a une autre sédimentation qui est beaucoup plus rouge, beaucoup plus indurée, et qui a été daté à 14 000 ans. Donc cette partie-là a été datée à 14 000 ans. On a retrouvé des choses très intéressantes là. D'abord, la première chose, c'est qu'on a un niveau de bloc ici. On voit la base là. Un niveau de gros blocs qui, par endroits, ont été volontairement déposés. C'est-à-dire que quand on analyse, c'est le type de matériaux et ça ne provient pas, et la dynamique du dépôt du site, ça ne provient pas du plafond. Donc c'est des manuports. Et là, l'un de ces manuports, entre guillemets, qui était situé ici, juste à ce niveau-là, c'était une espèce de gros bloc de quartzite, mais qui était très ferrugineux et qui faisait plus de 12 kilos et qui avait des concavités très, 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 très irrégulières. Et l'une de ces concavités a été aménagée et formait une sorte de pilon qui avait à peu près 12 cm de diamètre et 6 à 7 cm de profondeur. Il était posé ici. Et à côté, on avait effectivement des outils. Pas beaucoup d'outils, mais des outils assez caractéristiques de l'Holocène, du Pléistocène. C'est-à-dire que on a un break qui va s'opérer à ce niveau-là. On a ici les industries Itaparica, qui nécessitent la fabrication de l'esmasse, qui nécessitent des matières premières, je dirais, spécifiques, pour pouvoir fabriquer ces esmasses. Et en dessous, on va rentrer dans une industrie qui, elles, vont utiliser des matières purement locales, des galets en général, qui vont ramasser, disons, dans un rayon de 500 à 600 mètres, et ils vont faire des outils, et c'est des outils qui sont, on appellera ça de l'affordant, c'est-à-dire qu'on va utiliser des caractères techniques du galet, et on va aménager des parties transformatives spécifiques. Et donc, cette partie-là est caractéristique du Pléistocène. C'est vraiment des outils qu'on connaît ailleurs, mais la nouveauté ici, c'est qu'on va, ça va être associé avec des objets qui manifestement témoignent d'un travail du végétal. Voilà. On a aussi des molettes, on a des meules, donc on a tout ce qu'il faut. Une fois qu'on a dépassé cette couche-là, on rentre dans un sédiment beaucoup plus ferrugineux. C'est pratiquement c'est pas de la cuirasse, mais on y va, on ne peut pas fouiller finement, on est obligé d'aller au microburin pour casser les plaques. Et dans ce matériel-là, on va retrouver de la mégafaune, c'est-à-dire des ossements et associés
avec des outils aussi qui sont caractéristiques du Pléistocène, c'est-à-dire des petits outils avec des tranches en simples, des becs, des petits rostres, des choses que l'on verra sur d'autres sites. Donc cette partie-là a été datée à 20 000 ans. Là, on est à ces 20 000 ans. Donc on a la séquence très intéressante, 9 000, 11 000, 14 000 et 20 000 ans. Avec ici une association avec de la mégafaune, donc du lithique avec de la mégafaune. Puis le dernier niveau, il apparaît ici, c'est un niveau, alors il se remarque très facilement à la fouille, c'est qu'on a une apparition du manganèse, donc c'est absolument extrêmement dur. Et on a une datation, donc à l'interface de ce sédiment-là et ce sédiment-là, qui donne 40 000. Et à 40 000 ans, on a retrouvé deux outils, un magnifique une sorte de chopper, voilà, on va appeler ça un chopping tool, dans une matière exogène, dans un quartzite extrêmement dur. Le chopper, je crois qu'il fait 3 kilos, donc il n'a rien à faire dans cet environnement. En termes de dynamique de sédimentaire, il ne peut pas être amené là. Et à côté, on a retrouvé des fragments de mégafaune qui étaient effectivement fracturés. Et la datation du sédiment qui est donc juste ici va donner 60 000, 65 000 ans. Donc on a à la fois une stratigraphie continue de là jusque là pratiquement, et puis l'interface 5-6, on a un break à ce moment-là sédimentaire puisqu'on passe de 20 000 à 40 et de 40 à 60 000 ans.